ambiance que tout à l'heure dans le bar. Ça a changé. Hein. Salut les gars, salut. Ouais, on arrive. Pour tout vous dire, entre les vestiaires et le studio, il y a quand même 2 km. On doit se les faire à chaque fois à pied. C'est un peu délicat. C'est reparti entre l'équipe de France et les Néo-Zélandais. On lance même plus le chronomètre. Il tournait le chronomètre. Oui, oui. Allez, 10-6, fort belle première mi-temps de la part de ces deux équipes. On en parlait, Jacques. On va pas cacher aux gens qu'on discute à la mi-temps. Donc, on en parlait et on disait que c'était quand même assez enjoué finalement. Voilà, on se remet en route tranquillement. Jean-Louis est là, est revenu. C'est fini le bar, Jean-Louis, c'est bon. Alors. Enfin, il n'y a pas que lui. Jacques. Alors, j'ai noté quelque chose quand même pendant cette première période. Un taux de transpiration supérieur chez les joueurs néo-zélandais. Alors, est-ce que ça peut suffire, Jacques? Oui, enfin, ne restez pas supérieur comme ça, Jacques. Je ne sais pas d'où vous sortez cette information. De Sud-Assion. Syndicat encore. Avec une bonne montée française, il y va sans Antonio. Antonio. Ah ouais, mais là, c'est là où on est faiblard. Il s'est déchargé de la balle et il manquait un peu de vivacité, ça passe. C'est là où on est un peu faiblard, c'est sur ce dernier geste technique qui permet souvent de trouver soit la faille, soit de nouer. Eh oui, le geste. Récupération française avec une contre-attaque, une tentative de contre-attaque. Tentative, parce que là, il y a... Pour une fois, j'allais commenter un truc, le mec il s'est arrêté net. Et oui, Jackie, c'est ça, c'est le métier. On sait, avec Jacques, nous, les actions qui vont durer. Et garder la parole, on sait le faire, ça. Allons-y, les gars. Allez, on y va. Jacques vous l'a dit. Et je sens ces joueurs français parfaitement bien entrés dans cette seconde période, Jacques. Ah, apparemment, effectivement, avec un intérieur. Kéké, c'est bon, tout droit, il c'est est tout bon. Seul. Kaklouk. Aidez-le. Il est gros, il est grand. Il est gros et grand. Il est gros et grand. Ça déroule. Ah, mais ça vient bien, dans les 22 mètres. C'est dans les 22 mètres néo-zélandais, s'il vous plaît, qui monsieur, madame. Oui, ah oui, sortie rapide. Okay. Oh, ça se fait essayer. Ah oui, il y a ça du mal. Fait essayer. C'est pas sûr. Ça fait essayer. C'est pas sûr, les néo-zélandais sont. Non, ils sont débordato. Si bon. Débordato. Le ballon est qui para Francia. Para Francia, la pelota. Oh, l'interruption. Oh, l'interruption. C'était très bon. Aïe. C'est des moments qui sont très sympas à voir, quoi. Nous venons d'assister à un drame terrible. Une interception de 80 mètres à Vuitenzorf. Ralenti. Oh, c'est dégueulasse. Oui, Jackie, vous êtes en direct du gland des blogs. Oui, Jacques, quand vous aurez fini d'inventer des sites pornographiques déguisés, vous me le direz. Oh, la transformation, on vient d'en prendre 7 dans la gueule. Oh, fait chier. Ralenti. Ralenti de cette interception, il s'en va, le bourre de salopard avec le ballon. Et il court. L'enfuré. Go. C'est ça aussi, le rugby, c'est qu'il a bien lu l'attaque française, il l'a bien fait. C'est trajectoire, oui. Ballon, oui, anticipation. Très bon ce que dire. Fort. Et ce qui nous fait désormais un score quand même de 17-6 pour les Néo-Zélandais, alors que l'équipe de France était, moi il me semble, rentrée dans cette seconde période dans de très bonnes dispositions. Affirmatif, mais un peu comme tout à l'heure, bien sûr, juste avant de marquer l'essai, pire que tout à l'heure même, nous en avons pris un. Le scénario donc se répète. Oui, c'est pessimiste même, hein, puisqu'on n'en avait pas pris un d'essai tout à l'heure. Et je pense, faudrait pas que ça nous ait quand même comme ça. Foutu le moral. Non, je pense que c'est forcément de la ressource. Il y en a plus, hein, j'avais des ressources en France, il n'y en a plus une seule, hein, tout a été bouffé, bousillé, grappillé. Ce sont les Néo-Zélandais qui continuent d'attaquer, de nous provoquer, de nous violenter, de nous molester, de nous humilier. Non, laissez ça, c'est pour moi. Et c'est une sifflade, monsieur. Commandante. Et quand c'est sifflade, ça sifflade. Ben assis. Ouais, là, oui, Jacques, absolument. Il n'y a plus de place debout.
Égarement français, récupération égarement de la touche. Égarement français, non, non. 17, écoute, 17-6, c'est encore sur mon table. Tu vois, attends, on a pris non, un essai. C'est encore sur ma table. Non, Jackson, regarde bien, on a pris deux essais. Un sur un exploit technique qui est presque évitable tout de même. Et là, sur une interception de 80 mètres. Donc, tu vois, c'est pas sur du jeu placé, développé okay. de la part des Néo-Zélandais. Okay. Non, non. Il n'y a pas un mauvais placement. C'est pas un mauvais placement. C'est bon, il faut acheter, acheter. Acheter maintenant le jeu français. Et il gagnera dans quelques années. Allez. Pendant ce temps-là, ce sont quand même les All Blacks, les hommes ouais, blacks. Qui poussent tranquillement leur petit môle. Et là, on ouvre et on rigole. Allez, ils nous ont sorti deux ou trois pépites au sol. Au sol et mi. Ok, ok, pour Mackenzie. Au sol à mi. Il a fallu marcher sur la main. Non, jamais. Normal. Ça, jamais. Coucou de pied. Petit coup de pied, mais rendu finalement. Oui, mais coucou de pied. Et maintenant, c'est la contre-attaque. C'est là. C'est là qu'on attend. Pot de boum. Oui, mais c'est pas du foot. Hein. Oui, il renvoie, histoire de placer tout le monde. Il renvoie. Et de, voilà, oui, il essaye de placer toute son équipe bon, dans le centre. T'as un problème gastrique. Ah, tu en fais trop. Ok. Oui, Jean-Loup, bien sûr, 45 minutes, 27 secondes pour ceux qui suivent inlassablement oui. les secondes. Depuis 783 émissions, tout de même, je me pose la question quand vous dites Jean-Loup, Jacques. Oui. Vous n'en achetez pas. Non plus. On revoit ce chplouk, chplouk. Ah non, c'est terrible. Oui, alors que s'il ne la fait pas, cette passe, il a peut-être l'ouverture pour aller directement. C'est cela. Parce que le défenseur a tellement anticipé qu'il laisse un espace, Jacques. Il a pris un risque énorme, hein, le défenseur. Hein, mais payant. Oh, on s'est fait confisquer la balle. Encore merde. Encore les Néo-Zélandais qui monopolisent. Ça va mal. Et là, on investit. Mais on investit sur Black Ladder et cas d'emploi. Black Friday. Yes. Tu as acheté quelque chose? Oui, il l'a acheté. Dark Vendeur. Ça. En tout cas, ils ont encore la possession de balle. Encore du coup de pied, moins intéressant, mais tout de même très ennuyeux. Si, parce que regarde, voilà, ils nous mettent immédiatement sous pression. Et si jamais on n'a pas le confort on l'a. Et le réconfort, c'est bon, on avec est dans la merde. Vico. On est pris, Jacques. De 491 mètres. On a 491 mètres peut-être. Et on a en face de nous une équipe qui est forte, qui est très forte. Qui loupe pas un placage. 484. Quelle référence, monsieur, s'il vous plaît. Combien? On est en direct du club. Super beaucoup. C'est-à-dire que les deux derniers tours, ouais. la balle vole ouais. plus loin. Elle ouais. roule aussi, les ferrous sont un petit peu plus loin. Jean-Louis. On va pas te faire. Merci. Venons dans les mains de Charles. Charles Monsieur Blue, Charles Blue. Ville d'Olivon. Avec la France. On essaie de trouver les petits trucs. On joue vite. Ouais, mais en touche, regarde, mise en touche. Non. Même. La défense néo-zélandaise est plus qu'en place. Hein. C'est terrible. C'est difficile de les passer. Alors qu'est-ce qu'il faudrait, Jacques? Toi, quoi, qui innove. À 17 à 6. Un petit pied par-dessus. Je pense qu'il faut du French flair, un peu de folie, même si effectivement l'impact est tel que le cerveau a peut-être du mal à créer de la liberté d'improviser et de se lâcher plus facilement. Donc il y a une pression black qui empêche donc le du French dopage, flair. Il faut du dopage alors. Donc il faut effectivement éviter l'impact pour l'impact. Et là, je crois qu'ils ont fait quelques erreurs en début de ces deux périodes. Donc on perd du fluide. Alors, soit on fait rentrer du frais. Putain, mais jamais tu t'es lancé dans une analyse rugbystique de c'est la sorte. Non, mais... Oui, comment vous avez dit, monsieur? Jamais Jacques ne s'était lancé dans une analyse rugbystique de la sorte. Bravo, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. On peut l'applaudir. Parcelle de 491 mètres. Toujours. Encore. Ça n'a pas augmenté. Hein, c'est donc à vendre, hein, la parcelle de 491 mètres. N'hésitez pas. Fondation Sportaz, des biens immobiliers de grande qualité. L'ouverture du Néo-Zélandais avec un coup de pied, mais pas pour trouver la touche. Mais non, parce qu'il était rentré dans ses 22 mètres, donc il ne pouvait pas le faire directement. Ouais. Ah, lui, ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Regarde, t'as vu ces plaquages jusqu'au dernier moment. Ouais. Ah. Ouais, bien, les bleus ouverture, poupouche. On a fait rentrer Moineau, petit Moineau est rentré. Frais donc, comme oui. un pinson. Oui, pour accélérer un petit peu le jeu, oui. Ouais, oui, oh, double, trouble. C'est bon ça, double, Arsène trouble. Dulin. Oh. Nous sommes dans les 22 matchs, voilà. Oui, ça va marquer français. Le French flair, frais. Oh, il est frais, oui. À la Tonio. Mais c'est bien derrière du soutien, il ne faut pas de nanana avant. Nanana, pas lâcher le ballon. Nanana, pas lâcher le ballon.
pénalité par la Francia, oui, effectivement, c'est encore jouable. C'est là possible encore de jouer avancé. Si ça ne marque pas, ce sera une pénalité rendue au tricolore. Visiblement, oui. C'est bien, les gars. Continuez comme ça. Pas mal. Retrouve-moi, René, derrière le bord. J'ai des infos pour toi. Aïe. Te retourne surtout pas, mec. Tu me files ton blé ou je te descends. Eh bien, vous êtes mal tombé, car avec le crédit, je n'ai plus rien. Mettez-vous à zéro, à sac. Le crédit, je n'ai plus rien. Oh, j'ai vraiment plus rien. Et on voit cette offensive française. En musique, s'il vous plaît. Regardez ça, c'est magnifique avec Yvette Horner qui s'infiltre. Jacques Faisanti, qui maintenant transmet le ballon. René Lagarde, qui entre dans la défense, et qui pénètre dans Paris désormais. On parle d'une majorité éventuellement qui se dégagerait dès le premier tour. Sakiri, fuyons! Attention à cette pénalité pour l'équipe de France. Ah oui, quand même. On a changé. Petit Pinson va tenter la pénalité. Petit Pinson. Virevoltant. Oui. Allez, les gens. Et go! Et c'est parti, c'est bon! Parafrancia qui se rapproche des moutons néo-zélandais. L'épopée française est repartie! Ah, magnifiques images de Jean-Louis sur la possession de balle. Qu'est-ce qu'on lui fait mal parfois. Et toutes ses mains sur ce ballon, c'est quand même hallucinant. C'est violent. Ah, Tokame. Et nous fûmes à 9 à un moment donné de cette partie. Et c'est maintenant face à des Néo-Zélandais qui sont à 17 points. Et nous nous rapprochons. Chaque fois, on revient un petit peu. Et je pense que... Allez, pénalité, Tinkar, pareil. Voilà, on énerve un petit peu les Néo-Zélandais qui n'aiment pas qu'on revienne, qu'on marque des points. Une sainte discipline. Même 3 points, ça les énerve. Oh, mais c'est bon, cette musique, mais la fond, Jacques. Pontefillon. C'est pas sûr. Arrêtez-moi. Oui. Je pense qu'effectivement... La bête qui sommeille en fillon. Oh, il y en a n'est plein. Pas alors. Tout à fait propre. Plein le fillon, vous en allez avoir. Allez, arrêtez tout. C'est pas de politique dans le sport. Je l'ai déjà dit. Coupé. Jean-François, coupé. Ils sont contents. 51 minutes de jeu, nous sommes aux abords des 22 mètres de la formation néo-zélandaise et nous avons le ballon sur cette touche, oui. Bonne prise de balle bleue. Oui, petite erreur. Ils ont laissé tomber, mais bon, ça fait rien, on se structure. D'accord. Vas-y, René. Où est le ballon? Il est parti, mais il est tout seul. Mais il est tout seul, il adore. Oui, mais il y a qui? Il y a qui? Il y a quoi? Il y a tout le monde. Obligé tout de ressortir monde ce ballon, pas très bien. Ah, dommage, le général Delattre de Tassini n'avait pas pu suivre sa division. Et finalement, l'obus a été dégagé en touche. Dommage. Bonne intention là encore, vivacité. Il a fait du bien, petit pinson. Là. Hein, voilà. Dynamise un petit peu le jeu français. Voilà, et d'ailleurs, il est rentré très tôt, pardon Jacques. Un bon coaching. Ouais, très tôt. Hein. C'est curieux, cette période-là de l'année, normalement. On laisse mûrir un petit peu. La migration se fait plus longtemps, normalement. Mais là, peut-être le changement climatique, vous le savez, nous sommes bientôt morts. Petite touche. Toujours tendance. Regarde la touche. Mini touche. Regarde ça. Mini touche. Regarde ça. Black Mirror. Oui. Les gorgeurs de Wellington qui se fait surveiller de très près par la police française. Allez, on calme tout le monde et on sort le ballon. Et en plus, on va bénéficier d'une pénalité. Oui, d'une pénalité pour. Franchi qui restait dans le pack. Voilà. Enfin, par terre, dans il le n'a truc. Il n'a pas fait l'effort de se sortir de la situation. Allez, c'est pas terrible, mais c'est pas très grave. 9-17. Les Néo-Zélandais sont un petit peu bousculés, finalement, oui, on pourrait dire. Ils sont dans leur confort, vous savez, dans leur certitude. Ils sont un petit peu taquinés dans la guibole. Voilà, taquinés. On va les envahir, tiens, ça va les reprendre. On va aller leur foutre sur la gueule, là-bas, vous allez voir. C'est ITE. Envoyez les casques jaunes. Oui, on va voir ça. Sinon il est là, Petit Pinson, il essaye, il fait tout pour trouver un partenaire, mais il est tellement rapide, Petit Pinson, que personne ne peut le suivre. Voilà. Et oui. Avec Anne-Marie à côté. Toca para nuestra landa dans sa moitié terrain, mais nuestra landa pas marquer des essais comme ça, ton truc, ils font pas grand chose en Islande. Allez, on s'applique action.
Ah. C'est bien. Ouais, c'est parti. C'est essayé d'être contesté par les Français, ah, mais sans réussite, même s'ils bloquent parfaitement l'avancée néo-zélandaise. Pas sur le réseau. Non, les gars. Non, attendez. Quoi? Jack. J'ai plus sur le réseau. Contactez-moi de toute urgence. Ah, merde. Je pense qu'il faut qu'il se lâche. Allons, maintenant. Ah, oui, maintenant, sortez de là. Maintenant. Allez, gueux, ici jouez, et les maintenant. Gueux. Allez, les gueux, on y va. Voilà, on la donne et on la livre, cette balle. Ouh, on regroupe. On rafute. Un joli rafut. Mm-hmm. Mais surtout, on conserve. Voilà, on se met là. Et maintenant, on essaye d'ouvrir et de jouer. Allez. De transpercer. Pensez à vos ancêtres qui avaient traversé les plus grandes montagnes pour votre liberté. Vive la République! Vive la France! Vive! Vous parlez! Attaque à Frances! Attaque à Frances, magnifique sortie de... Ah, dommage, ouais, il a mis un pied en touche. Alors que l'autre avait fait l'effort quand même de... Ouf, oh, ça va vite, ça va vite. Côté néo-zélandais, on continue de mettre la pression. 54 minutes de jeu, 40 secondes. Ah, tant pis, ces Français sont encore vaillants. Ils sont très bien. Regarde, il y a clairvoyants. 7 petits, ou combien il y a? Que sais-je? 17-9. Ou peut-être. Écoute, ça nous fait quoi? Sûrement, c'est ça, 17-9, oui, je confirme. Un petit essai, transformé, on revient à un point. Non transformé, on revient à 3 points. Tout est bien, ne quittez pas. Ne quittez pas. Quelques gouttes tombent sur le Parc des Princes. La pluie qui menaçait fait à nouveau une apparition. Qu'est-ce qu'ils vont pas chercher? Tout de suite, la météo. Sparta. Ballon sorti par les Néo-Zélandais avec l'égorgeur de Chris Church qui ne récupérera pas si cette fois-ci. Oh oui. Une fois de plus, ce coup de pied salvateur. Rendez l'antenne! Ça va péter! Ah, ils sont là, ils sont déjà là, hein, les bougres de salopards, ouais. Bravo, bravo. Ah, bravo. Ah ouais, si, ne coupez pas le public. Vous n'avez pas un chez vous? Vous n'avez pas des amis? Non, ils sont de l'autre côté. De... On n'a pas d'amis sur Sportage, Facebook. Pas encore. Pas tout à fait. Ballon avec. Oui, ça pagaille un peu, côté. Quincy, ah ouais, Quincy Coates. Voilà. Quincy Coince. Les Néo-Zélandais, Quincy Joe. Oh, regarde ça, cette petite balle par-dessus, tu as vu, c'est ça qui est terrible chez eux, cette capacité à même dans une situation délicate, se sortir intelligemment de celle-ci. Ah, et se montrer dangereux, et il entre dans les 22. Allez, bonne relance pour les Français, là c'est un truc à faire. Mais c'est une pénalité, pénalité pour les Néo-Zélandais, Jacques. Alors on ne sait pas trop pourquoi, c'est assez délicat. Est-ce qu'il y a un hors-jeu? Est-ce qu'il y a... C'est assez curieux. Il va aider un pénalité. Ah, 17, c'était 30 après 20. Il la joue, Jacques. Waouh. Ils ont envie de nous mettre waouh. Wow. Ah ouais. Ah, ils veulent nous humilier, nous vexer, nous tanner. Bon, nous faire baisser le moral. On dirait. Tu vois, il peut pas le toucher, il le sait, regarde. Et le coup de pied est dosé magnifiquement. Et là, il sait qu'il peut pas, hein, il peut rien faire, il faut qu'il... Ah oui, la tête dans le cul. Absolutely. Merci, Jacques. Yes, ok, du changement côté néo-zélandais, oui. Manifestement, du turnover, de la rotation. Oui, eux aussi, ils en ont des bons, t'inquiète pas. Va. Quand ils en sortent un et que l'autre, il rentre, c'est qu'il est meilleur. Il est sur le banc parce qu'il a... Ah, putain, c'est bon, ça. Ok, allez, ça... Jackie, on y va. Non. Ça dance floor. Et ce soir, au Mighty Club. Hey, exportez promotion. Monsieur, on vous salue. 56 minutes de jeu, nous sommes à 5 mètres de l'embut. Tricolore, 17-9 pour les Néo-Zélandais. Oui, prise de balle impeccable. Et on s'est défendu, oui, voilà, on s'est défendu différemment. Oui, oui, voilà. Quand même. Ah, on a su éviter l'évitement, justement, proposé par les Néo-Zélandais. Ils voulaient, ils voulaient construire un mall et on les a défoncés d'entrée. Tout à fait. Ils ne peuvent plus y retourner. Maintenant, c'est du. Boudiboum. Oui, ça va être ça. Ça va être ça pendant 2-3 fois. Le ballon sorti, la défense française est bien, elle est féroce, elle est très bien, même s'il livre parfaitement son cuir, ici, maintenant, à ses amis et partenaires. Ça booste. Oh, oui, yes. Joli, oh, oh, il est costaud quand même, il est un peu goal. Costaud pour deux mecs. C'est goal.
go. New Zealand. Go, go, go. Go. Cette boîte est plus haut. Ils ont de la chance quand même. Ouais. Ah, ça fait mal. Go. Goal. Pour les Néo-Zélandais, cette fois-ci, c'est construit. Ils ont pilonné, ils ont bastonné. Deux points de plus. Plus 5, plus 7. Ça commence à faire lourd. 24 à 9. Et on n'a pas l'impression d'être si loin que ça, pourtant, c'est ce qui est terrible. Merde. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal. Mais c'est reparti pour les Blues. Oui, mais on n'est même pas en position de récupérer tout seul. Ils se sont plaqués tout seuls, les Néo-Zélandais. Mais ils récupèrent tranquillement ces cuirs et ils vont pouvoir développer leur jeu fait d'intention, de férocité. Oui, mais aussi d'intelligence, oui, bien sûr. De technicité, maîtrise. Effectivement, ouais. Jacques, ils sont bons. L'équipe qui domine le monde du rugby depuis toujours, devrions-nous dire. Quelle était ta statistique? On pourrait dire que c'est la meilleure équipe du monde, du sport, de toute la planète, de tous les sports. C'est l'équipe qui a été le moins battue, c'est ça? Qui est le moins battue, qui est le plus dominée, qui est la plus dominatrice de son sport. Bravo Jacques, merci. Le vestiaire est ouvert, je vous le rappelle. Et en ce moment, nous faisons des promotions sur les jus de fruits. A tout de suite, nous vous attendons. Bienvenue au Mighty Club. Vous êtes une idole? Oui, Fondation Sportaz. Allez, on va marquer l'essai. Oh, la Francia, la Francia, para una petite capitone. Il n'a pas pour le faire. 50 cm, les mecs. Et l'autre, il a mis les mains, il est à genoux, il ne peut pas. Pierre, qui c'est qui ouvre le goal? Qu'est-ce que c'est? Ça faisait quelques fois qu'on se trouvait à quelques... Attendez, c'est pas fini, du hors-jeu, que sais-je encore? Oh, quel dommage. Trois fois, on s'est retrouvé en possibilité de marquer. Trois fois pour de vrai, voire quatre avec l'essai contré. Trois fois, c'est le contre, on a loupé, quel dommage. Et là, le gros Zébu qui attaquait la petite belette française. Il a vu le trou, il a raison d'y aller, parce que l'autre est pris. Oui, mais l'autre ne s'est pas dégagé totalement, le 11. Hein. Si on revoit cette image de Jean-Loup, il pourrait y avoir peut-être une faute. Vas-y Jacques, vas-y, continue. Ralota. Non. Eh bien non, il n'y aura pas eu de faute. Il reste 20 minutes, mais on a pris la saucée. Hein, et 24 à 9, hein, il faudrait quand même marquer deux essais très rapidement. Deux. Oui, très très vite, oui. Enfin, il y a une mêlée là quand même, on va se dire. VINAIGRE. Oui, ça sent le vinaigre, effectivement. Non. Mais pour qui? Allez, peut-être que Jacques, tu as raison. Cette mêlée là qui pourrait remettre l'équipe de France dans le sens de la marche. Attention, c'est un moment fatidique. 60 minutes, c'est là où d'ordinaire les All Blacks éclatent les équipes adverses. C'est la séquence de la chance pour la France. La séquence de la chance pour la France. Oh, c'est intense. Vous avez fini. Ah ouais. Je m'en vais. Prenez le train là parce que sérieux là. Ouais, stop. Nut. Allez, venez pour l'équipe de France, revenez à la transe, à France. Attention, mêlée pour l'équipe de France, avec Patrick Juvé en pilier. J'y vais. Arrivé là au placard. Bien sûr, Chihuahua. Oui, il les bouscule, mais où est le ballon? Oui, pénalité par la France. Alors, si la joue vite, on va marquer 4. On va marquer 4. Tu as vu la passe magnifique. Tu vois, la passe magnifique qu'il lui a fait dans le dos. Go! Petit pinceau, change tout. Il est en train de tout changer. Petit pinceau, tu as vu ce démarrage et cette passe dans le dos. Magistral. Ralenti, Jean-Louis. Belle essai foncé, on va le dire. La force du paquet, et ensuite regarde ça, là. Ouais, c'est là où le lui fait magnifique. French flair, good. Eh bien,
bien, Jacques vous le disait, cette mêlée était particulièrement dangereuse et il avait raison une fois de plus. Bon, on s'en va, monsieur. Achetez les actions, Fondation Sportose. C'est le moment. Nimaïve, allez, deux points de plus, ça nous permettrait. C'est lui qui a proposé de retirer sa plainte si on accédait à son chantage. Ah bon. Salaud. Allez, petit pinçon, il est bien, il est un petit pinçon, il est en pleine forme. Il nous a allégé le jeu, il nous a rempli la besace. Et ça va nettement mieux pour cette équipe de France qui avait été très méritoire tout de même jusqu'à ce moment-là. C'est vrai, faut le dire. Est-ce que tu aurais... Allez, vas-y petit, tu es très bien. Hey, go. Okay. Voilà. Good guy, good job. Et du coup, quoi? Good try. Qu'est-ce qui se passe du coup, Kiki? Ça veut dire que l'équipe de France, elle revient à 8 points. Alors ça va énerver, ça va énerver les Néo-Zélandais. Qui vont nous en mettre 40. Non, peut-être pas, mais qui vont encore peut-être hausser de jeu. Et ils peuvent pas, ils sont à fond, ils sont en fin de tournée, ils sont fatigués. C'est peut-être le moment d'aller les planter. Ok. Quoi qu'il en soit. C'est reparti 24-16, 62 minutes de jeu, 55 secondes. C'est fait, les Français contrés. Attention, non, les Belges, les Bleus. Yeah, les Bleus. Souvent ça part sur des trucs comme blue ça. Blue for life. Allez. Yeah. On y va, les gars. On continue, arrêtez-moi derrière, non, parce que là, ça vous emballe tout. Alors que là, non. Mais si. Oui, mais là, non. Mais si, regarde. Comment ça, ils jouent pas, Messi? Si, ils ont envie. Ils ont envie de jouer à la façon de Messi, c'est-à-dire effectivement à la française, comme ils savent le faire, vous le savez, ils aiment. À gauche, on va pas y passer la journée. Ouais, oui, c'est bon, ça, ouais. D'accord, ça va. Il a raison, il dégage comme il faut, histoire de renvoyer un petit peu le jeu. Voilà, tranquille, c'est... et de faire souffler tout le monde. Parfait. Magnifique séquence de jeu de l'équipe de France qui revient à 8 points des Néo-Zélandais. Et même s'ils perdent, même s'ils inclinent, il y avait un petit pinçon, oreille clos ce soir. Ouais, il aura survolé ce match. Oui, rien du tout, parce qu'il est rentré il y a 10 minutes à peine. Regarde déjà, tout, les lumières sont belles, la pelouse est bonne, et la police arrive, merde. Ah, quand c'est trop beau. Allez, toca para Nueva Zelanda. Si, transportas 7, 8 et 3. C'est parti pour la Néo-Zélande avec combinazione, mais c'est pas bien. Mais bien lui par la défense française, cette fois-ci la combinazione, il n'y aura rien du tout, et on a le droit de jouer ce ballon. Oui, on a le droit de jouer. Le pied français. Bien, les gars. C'est pas du pied de porc, Jacques. Alors. Le ballon est là avec John. Oh, petit coup de pied de John Wilson. Oui, mais cette fois-ci, il faut la jouer. Oui. Et les deux, les deux. Il est comme déjà au sol. T'as vu, même l'autre, elle le rattrape. Même le grand Brutas, il arrive à rattraper la petite gazelle française. Ils savent tous courir le 100 mètres en 10 secondes. C'est surtout le sens de l'anticipation et du placement, qui est un point fort chez ces Blacks, qui ont une lecture du jeu qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, supérieure, sûrement parce qu'ils commencent à l'âge de 5 ans. Merci Jacques. Et nous allons tout de suite écouter. C'est à vous. Installez-vous, c'est à vous. Allez-y. Ah, oui, vous voulez pas. Alors que sera-ce? Que sera 64 minutes de jeu? Il reste un gros quart d'heure dans cette confrontation. Et la France revient. La France fait honneur à son maillot, à Ginov, son entraîneur entraînant. Et la France va créer l'espoir ce soir. Possiblement. Oui. Il y a quoi là? Qu'est-ce qu'il faut marquer pour rattraper ces Néo-Zélandais maintenant? Un petit essai. Et même pas transformé. Ensuite, une pénalité ou un drop. Ah, voilà. Il y a quand même deux fois. C'est la bonne question d'ailleurs. Voilà. Tu as raison, il faut marquer deux fois. Mais... Attention. Voilà, on peut pas le toucher. Il y a du temps, mais il y a quand même des Néo-Zélandais encore en place dans leur camp. Oui, mais je les sens moins quand même. Oui, moi aussi, un petit peu perturbé par la résistance française. Ouais, on dit ça et puis regarde, un crack, l'autre il nous fait 40 mètres debout avec le ballon, il faut l'arrêter. Petit pinçon, oui, les petits pinçons. Petit pinçon va réagir. Oui, bien sûr. Alors, on va récupérer ce ballon, il va pas y aller tout seul. C'est qu'à toca para Francia, si on la joue vite et rapidement, on peut peut-être créer la brèche, mais non pour l'instant. L'ambiance est bonne. Oui, nous sommes menés, mais tout va bien. Curieusement, tout va bien. L'ambiance est favorable au jeu. J'appelle le commissaire Bourrel. Mangez-moi. Comment ça, j'arrive? Allons, il y a un chien qui aboie là. Qui est ce chien qui aboie derrière là? Un petit pinceau, on l'entend, petit pinceau. Il est partout. C'est les grandes terres de Mexico. Et il y a Pizza Mall qui a été bouffé de partout et qui sort. Pizza Mall, il n'y en a plus. Et on fait rentrer Chupa. Ouais, j'en ai vu partout moi d'ailleurs. C'est Chupa qui est. Merci Jackie, vous avez bougé, non? Arrêtez, sinon ça va canarder dans pas longtemps là. Oui, c'est de la chasse, c'est méfié. Ah, ce serait une touche, oui, monsieur, il a du mal, hein, monsieur El Comandante.
Il place tout le monde, hein, le Tché, les Américains, les Russes, il place tout le monde. Allez, et ensuite, c'est Toca para Francia, et ça, c'est bon. Ça. Sous l'œil de l'arbitre, hein, la baie des cochons, bien sûr. Qu'on a peu cité. Arbitre d'Assessi, oui, oui, mais pour cause laïcité faisant. D'Assessi, Jacques, ça, pardon. Assessité. Et c'est une pénalité pour la France. On ne s'est pas dégagé du côté néo-zélandais. C'est très bon. On va pouvoir gagner une trentaine de mètres comme ça, bénéficier reculer, de la touche ouais. et se mettre en place. Mais c'est très bien ce qui se passe. Bougez, bougez. Vous le sentez ça me rappelle Séville 82, mais dans l'autre sens. Vous avez vu, hein, l'arbitre qui demandait quand même aux néo-zélandais d'accélérer un petit peu leur relevé. Ah oui, leur retournement, leur sortie de molle, Jacques, c'est ça. On appelle ça la sortie de molle. Comme quoi, ils ont envie un petit peu moins d'accélérer ce jeu, ou alors... Ils ne peuvent plus le faire. Peut-être ils ne peuvent plus. Je t'ai dit qu'ils sont fatigués. Ah bon. Je ne sais pas si tout le monde a entendu ce qui se passe en public, mais vaut mieux pas. Vous passerez le ralenti. Si vous voulez, attention. Oui, oui, la reprise. Oh non on l'avait dévié, on a mal négocié le truc. Et on le récupère, quelle merdasse. Non, du tout, non. Pardon. Mais non, au contraire, ce sont les néo-zélandais avec les carisseurs. Ah, pas cette fois-ci encore. Non, hein. Pas deux fois. Ah non, pas à chaque fois, le coup de pied. Et oui, en fait, tu vois, c'est ça, en fait. S'ils ne récupèrent pas le ballon, ils peuvent bénéficier d'une maladresse adverse, comme un en avant, comme ici. Et donc récupérer ainsi les... C'est quand même vicieux, le coup de pied. Hein. C'est réfléchi, c'est pensé. Puisqu'on ne peut plus rien dire maintenant. Hey, on voit ça gentiment au ralenti à la loupe 60 offerte par Jean-Louis. Jean-Louis II. En avance pour nous. Attention, attention les amis, attention, car nous rentrons pourquoi dans le... Ah bah pourquoi. 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 Bien je vais vous le lire tout de suite. Mais pourquoi. Mais pourquoi. Comment se débrouille une rugbyman? Alors, écoutez, là, ils sont dans une petite mêlée. C'est vrai que ça s'est un petit peu affaissé, si je puis dire, avant que la mêlée ne le fasse elle-même. Ce match, c'est un petit peu affaissé. D'ailleurs, c'est un bras caché. Ouais. On l'a à peine vu. Un plat cassé. Oui, un bras cassé de l'arbitre. Ça veut dire que c'est un ballon pour les Néo-Zélandais qui vont pouvoir se le négocier. Pas en pénalité, Jacques. Non, pas tout de suite. Mais bon, ils choisissent la mêlée. Ou ils se sentent forts. Bon, peut-être pas. Peut-être pas. Ah si, quand tu choisis la mêlée, c'est que tu sens ton pack. Ou alors que tu sens que l'arbitre est avec toi et qu'il est capable de siffler une petite pénalité à un moment important. Ouais, ouais, que ça fait gagner du temps. C'est pas... Peut-être que voilà. Ah, oui, peut-être que maintenant ils gèrent leur avance pour ne pas trop forcer, hein, malgré tout. Un petit changement un petit peu délicat de la part de Ginov, là, qui change son capitaine à un moment. J'en crois pas mes oreilles. Crucial, moi non plus. Hein. Je suis un peu étonné de ce changement à un moment aussi important. Ouais, le guide Mao qui sort pourtant. C'est curieux à ce moment-là, quand même, du match sur une mêlée aussi importante. Fait rentrer Chart. Chat. Chat. D'ailleurs, bientôt, hein, nous pourrons nous écrire, nous parler, certainement, quand vous serez amis. Hein. Nous serons amis ensemble sur la page Facebook de Sportas Family. Nous passerons de la chat au chat. Où pour la première fois, nous avons envoyé notre première photo volontaire. Voilà, nous découvrons. Alors, vive le numérique. Vive la France libre et le numérique. Allons, attention, c'est les Néo-Zélandais qui sont déjà au niveau de Cherbourg. Oui. Et qui pourraient très vite arriver sur Paris si on ne fait pas attention. Ils sont là. Oh, petit 1-2 au rugby, c'est rarissime, tu vois, ce petit jeu de passe à 2 là pour gagner 3 mètres. C'est fort fin. C'est très joliment dit. Ah, bah, par contre, là, les 3 mètres, ils les ont perdus comme il faut. Bravo la défense française. Certes, mais bonne sortie de balle encore pour les Néo-Zélandais qui rentrent dans les 22 mètres à peine tout juste maintenant. On n'y va pas sur le déblayage, on n'y va plus, on essaye de gagner le ballon différemment, semble-t-il. On est face au poteau. Attention, ici, attention, un drop. Il le discute, non, pourquoi. Une faute en français. Ah, on en avait un qui était bien et puis l'autre qui n'y était pas. Ah. Et voilà pourquoi nous sommes pénalisés. Là, par contre, ça va faire mal. À 10 minutes de la fin du match, prendre ces 3 points supplémentaires, ça va devenir difficile. Putain. Dommage. Quel dommage. Mais vous savez les gars, c'était pas mal. Ouais, quand même. On s'est régalé, vous avez... Oh, il y a eu du... Ah ouais, vous avez donné, quoi, je vais dire. Putain. Ouais, pas mal de max, de trucs qui... Bon. Non, non. Ah, il aurait pas été... Heureusement, il était. Bien sûr, j'ai... De si peu, finalement. Ah, oh, c'est dommage. Ouais.
Faut vraiment que je rentre. Sforzas. On the next. Millie. Evolve the Sison. I'm running later. Avantage des Néo-Zélandais. Millie. Dans les notes de maître français. Millie. On s'est fait bousculer. Calant. Tu peux contourner. On se laisse aller, intervention del Comandante. Go. Sporta 783. Ça va. Il y a toujours 24-16. Les Néo-Zélandais n'ont pas voulu prendre les points. Ils cherchent l'épreuve de force. Est-ce qu'ils sont présomptueux? La dernière fois qu'ils ont fait ça, Jacques, il me souvient, yeah, ils ont perdu leur match. Ils n'avaient pas voulu prendre les points. Australia. Et ils avaient perdu leur match. Ah ouais, mais shoot. Souviens-toi. So shoot. Ils sont un petit peu sûrs d'eux sur le coup. Allez, le France, défoncez-le, le gars. Yeah, ok, non, ce sont les Néo-Zélandais qui sortent, qui percutent et transpercent le France. Le France, 5 mètres. Doucement, 5 mètres de l'ambiance. Pénalité pour la France, on était allé au-delà. What il devient pointilleux. Ah, il devient pointilleux, monsieur le commandante. Oh, le commandante. Oui, on plonge au-delà de ce qu'on a le droit de faire. France qui va se dégager, c'est encore valable, c'est encore bon, tout est possible. Allez, applique-toi. Enfin quoi, il reste pas longtemps, 72 minutes et 43 secondes, ça va jusqu'à 80 et rarement plus. Oui, rugby. Non, mais Jacques, 8 points, c'est-à-dire une pénalité c'est 3 vrai, et on revient à 5 à l'essai. Oui. Oh, c'est vrai, allons enfants. Ah, vous avez vu, il est mort lui aussi là. Non, il y a du monde. Ah, pardon. Ah, tout de suite le journal. Bonsoir. Les dernières nouvelles ne sont... Ah, il faut que j'y aille. C'était les nouvelles d'en bas. Par contre, le ballon a été récupéré par les Français. Tu vois, c'est une excellente chose. Allez, on y va, les gars. On se soutient. On se souvient d'ailleurs aussi qu'on ne fait pas les mêmes erreurs qu'avant. Et voilà, c'est parti, on ouvre, on écarte et on infiltre. On vient l'aider. On soutient, c'est bien. On est par là, on se passe la balle, on crochette, on la donne, voilà qui est pas mal. Ouais, on continue les gars. Oh, c'est pas mal, on cherche le bug, le contact, un peu, oui, c'est puis surtout mal. Histoire de fixer les partenaires. Mais on pas. Y va. Ne pas arrêter le ballon, on garde le rythme. On écarte là-bas, vas-y Fricou. Allez. Oui, voilà Fricou. France. Sans Peace. Sortir en touche, oh dommage, on est projeté. Belle défense des Néo-Zélandais. Allez, faites-le encore, faites-nous rêver. Ça joue, c'est bien. Ils tentent jusqu'au bout de les crever. Mais c'est eux qui laissent quelques plumes quand même. Hein. J'ai l'impression que ça devient difficile. On essaie de les faire douter, mais on se fait arc-bouter. Si je puis dire. Oui, mais regardez aussi, ils ont quelques petites défaillances. On a l'impression qu'est-ce qu'ils foutaient là devant. Mais oui, ils étaient devant. Penalty pour le France, oui. Go. Volta para Francia. Allez, les gars, continuez comme ça. Pression. Tu vois, cette fois-ci, tu la prends en 3 points. Uh-huh. Et les 5 dernières minutes sont folasses. Ah non, ils l'ont joué. Non, il y a baston. Et là, par contre, c'est pas bon. Pas bon. Ah ouais. Ah, oh, ben Jean-Louis, qu'est-ce qui s'est passé? T'as loupé le départ, Jean-Louis. Non, on l'a pas vu. C'était hors champ. Merci. Quelques accros. Oui. Oh, ben, on échange les maillots, mais on a du mal à se les échanger. Ils sont tellement serrés qu'ils ont du mal à les attraper. C'est pas le moment de Et c'est pour ça que ça. Regarde l'arbitre, très serein. Ouais. Tranquille. Ma foi. Par contre, du côté français, j'ai l'impression que Petit Pinson en a pris une. Petit alors, qu'est-ce Pinson. Qui se passe? Ah oui, c'est là. Oh, oui, l'autre qui vient le percuter alors que le ballon est déjà sorti et c'est bien, sur le côté. Ouais. Une grosse faute, ça le faute, on va le dire comme ça. Même si ce match est resté très correct. Ouais. Ça fait quand même deux petites embrouilles qu'il y a eu. À ce niveau-là, c'est assez... Une au début, une à la fin. Bon. Alors ça commence ici, là, voilà. Là, oh, oui, là non, sur le flanc. Ah, bah, il va être cité, tout simplement. Parce qu'il n'a pas le droit de le faire, je pense. C'était pas au chocolat. Et est-ce que ce sera une pénalité pour les Français? Vont-ils la tenter? Vont-ils prendre les 3 points possibles? Oui, Jacques, tu le penses? Bah écoutez, il faut marquer 2 fois, donc une première fois, et puis pourquoi pas? Je pense que c'est une très bonne formule, Jacques. Merci, bonsoir. L'équipe de France va tenter les 3 points. Je vous adjoins de venir prier avec nous. Riez avec nous. Frère.
février. Attention, il va envoyer l'hostie. Ouais, le petit. Petit pinson. Le petit pinson qui est bon ce soir, vraiment, hein, qui ouais, domine son sujet. Et face à des blagues pour autant, dominateur, donc vraiment. Non, pas tant que ça. De leur rugby à eux, je trouve. Je m'inscris en faux. Ah, bon, inscrivez-vous. Tout de suite, elle est dedans. C'est oui, ça veut dire que maintenant l'équipe de France, elle revient à un essai dans son armée. Écoute-moi bien tous. L'équipe de France revient à un seul essai transformé. Putain! Putain! Allez, la France! 24, Nouvelle-Zélande, France 19. Aïe! Bonne partie, Black Ladder. Qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai vu, marqué grosse publicité. Et là, on s'est fait confisquer la balle par les Néo-Zélandais. Vire voltant, merde alors! Quel gars, de son de passe! Ah bravo Coco. Mais ont-ils perdu le cuir? Non. Intervention, deux personnes, petit coup de pied à suivre. Il faut la laisser sortir, on la prend. Il la laisse sortir. Quelle folie. Et Jacques n'en peut plus, il se lâche désormais. Allez, on arrête les curés s'il vous plaît, merci les gars. Oui c'est vrai que c'est pas trop la tendance. Non on arrête un peu. C'est trop la tendance. On revient, non, arrêtez la musique, non, arrêtez, non, tout, s'il vous plaît, là, on revient, c'est sérieux, maintenant. Ambiance publique, je veux du son, je veux du public. Touche française, oui. À fond, les gars. Très bien. Oui, enfin, on est dans notre camp, hein. c'est très, très bon, Jacques. C'est-à-dire tout ce qui se passe en ce moment, depuis tout à l'heure, ce sont les Français qui marquent les points, la dynamique est tricolore. Tu comprends ce que je veux dire. Pour l'instant, on est acculé. On est acculé, mais on a le ballon. Hein? L'essentiel, c'est d'avoir le cuir. Ouais, faut en faire quelque chose maintenant. Arrêtez, madame. Madame, sortez de là. Ah, ça commence à reprendre. C'est vrai là, que là, on recule l'intensité. Un peu. Ouais, on recule. Il va falloir faire quelque chose avec ce ballon. Pinson, petit pinson, mais encore. Voilà, il le met directement en touche. Et là, on va essayer de contester. Petit pinson, toujours. Oui, ah oui. Et là, maintenant, c'est le moment de contester la touche. La touche. Ouais. Hein. Sinon, ça risque d'être foutu. Mais qu'ils s'inclinent là, maintenant, ils ont quand même été magnifiques. Deux fois magnifiques dans la défaite. Mais au moins, ils ont essayé jusqu'au bout. Je partirai heureux ce soir. Allez, comme on pourrait dire au foot américain, c'est une touche d'homme. C'est parti pour Tatafono. Merci Jacques, je viens de marquer. Attention les amis, ça devient dangereux. Oui, il faut la contester. Superbe tronçon escalator de Wiki Dockland. Otis Redding. Oui, on a le droit de venir comme ça en face. On les repousse un peu, c'est pas mal. D'accord, mais enfin, ils ont encore le ballon et ça écarte. Et Carter. Ah, si on pouvait le récupérer, ce ballon, ce serait pas mal du tout, tu comprends? Right, encore un peu intérieur pour les Néo-Zélandais. Oui, ils vont essayer de clore le score, bien évidemment. Ils pourraient mettre d'ici peu le ballon en touche. Ils sont dans les 22. Ils arrivent, ils rentrent. Et les loups sont dans Paris. Attention, ils sont là. La tribu black au complet, là, sur le terrain. Allez, on rebouge. Par contre, là, joli saccage. Hein, ouais. Il a été retourné comme il faut. Il livre à ses partenaires. Et nous allons rentrer dans les 20 dernières secondes régulières de cette confrontation. On conteste. Et ensuite, tant que le ballon ne sera pas sorti, ça pourra durer. C'est vrai qu'un essai, un essai. Un essai, on essaie. Qui n'essaie? Il faut déjà récupérer le ballon, Jacques, c'est ça. Là, c'est pas possible pour l'instant. C'est un peu dur. Ils vont pouvoir la mettre tout de suite dehors. Dès que ça va passer le... dès que ça fait ça, il peut... maintenant, il peut taper. Là, ils peuvent taper. Voilà, il peut taper. Et il peut à moins le prendre, que il les peut, Français se soient tapés, ils vont taper. Non, ils sont forts, ils sont bons, ils sont costauds, ils sont black. Ils sont number one in the world. Ils sont champions de world. Ils sont dedans. Kaline. Ils sont là pour gagner. Oui, pour vraiment gagner. Il faut qu'ils perdent le cuir. Come on. Oh, ça y est, cette fois-ci, ils ont arrêté. Ils le mettent en touche. Oh, voilà. Ils finissent sur un petit truc. Ils ont eu peur de l'équipe de France. Oui, ouais, c'est bien. C'est bien pour ce match, finalement, de très haute qualité, tout de même. Ah oh, oui. Quelle tenue. Madame, mademoiselle, monsieur, l'équipe de France s'incline. Mais a gagné toute notre estime. Et tout l'amour du peuple français. Bravo, vraiment. Ils ont relevé le défi de ces Blacks qui font monstrueusement peur à toutes les équipes en face, même si les Irlandais ont fait un exploit à Chicago, mais c'est tout exceptionnel. Oui, dans un cadre un peu particulier tout de même. Ils ont pris eux-mêmes un peu plus cher la semaine suivante.
Et donc, l'équipe de France ici s'incline. Quant à nous, nous ne savons pas quand. Non, ça nous promet, c'est sûr, un très beau tournoi de destination. Et ça, par contre, oui, sûrement ça sera que nous y serons, à minima, sûrement, bien sûr, avec toutes les conditions qui seront celles des week-ends ou pas, où nous serons ou pas, ici ou là. Mais bien sûr, vous serez informé grâce à la page Facebook Sporters Family. Sporters Family, ou alors le oui, oui. Bien sûr, Dailymotion, Radio Sporters. Absolument. Et puis bien sûr, tout ce que vous voudrez. Les boucheries chevalines. Voilà, nous avons aussi bien sûr encore quelques accélérateurs de particules en vente libre, donc depuis très peu. Hein. On a le droit maintenant de faire des accélérateurs de particules, hein, ça devient d'ailleurs très tendance. Hein, nous débutons dans le métier. Nous débutons dans le métier. Voilà, donc pour un Noël techno, pourquoi pas offrir un accélérateur de particules miniature. Oui, sur, Sportas, bien sûr. Moins de 500 euros. Eh bien, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'était un Sportage 783 particulier. Jean-Louis, tu sais conduire ce truc? Moi pas. Allez, on y va. Oh là là. De toute façon, on était mal arrivé, un peu mal reparti. Hein. Mal canal? Ici, on ne voit la télévision, on écoute la radio. Venga, venga. Oui, Sportage, c'est une émission qui est basée sur la télé en direct. Et là, ils ont remonté un projet sur Internet, une radio. Le doublage s'est fait doubler. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, messieurs. Sportage 783. Bye. C'est fini. Volante. Aïe. Ah, a siempre la victoria. Ouais. On espère que personne n'était là. Bien sûr. Toutes les pistes nous intéressent de toute façon. Jean-Loup, piste 8. Tant que vous ne vous pistez pas dessus. Non, piste 9, finalement. Merci, Jean-Loup. Volaille, V-O-L-A-I-2-N-E. Cocorico. Le voile sombre dans le cœur des hommes, c'est le... Je pense qu'il est en coquillage. On se retrouve bientôt, bien sûr. Gino, voilà. Tu comprends, après des essais quand même qui sont bizarres, quoi. Si on peut passer cela, quoi, et peut-être devant, quoi. C'est n'importe quoi, hein.